Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour un tirage sentimental qui sera le tirage message de mon autre. Donc, j'ai envie de voir un petit peu où on en est par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire, qu'est-ce qu'il a à vous transmettre comme message en utilisant trois jeux. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur et la triade. Alors, on va voir pour ce message de votre autre. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne Love Mystic Tarot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance privée, que ce soit amour ou général. Et je vous réponds rapidement, je suis pas chère. N'hésitez pas. Alors, je vais commencer tout de suite avec le message de mon autre. Donc, c'est un tirage très général. Gardez votre libre arbitre. Ça peut parler à certains comme à d'autres non. Donc, message de votre autre en ce moment. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Message de votre autre en ce moment. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Alors, effectivement, il a envie de parler. Il a envie de parler. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de prendre la parole. Il transmet qu'il est actuellement bien, qui se sent zen, qui se sent totalement tranquille d'esprit, d'âme et de corps, et c'est positif. Donc, pour ce message de mon autre, bien sûr, ça veut dire que ça parle à des personnes qui sont loin de votre autre, pour les personnes qui sont en séparation, mais je dirais plutôt qu'ils ne voient pas qu'ils ne voient pas leur autre facilement, qui est à l'étranger ou qui est loin ou qui est en vacances ou qui est en déplacement, où vous êtes chacun chez vous, où il ne le dit pas. C'est ça le message de l'autre. Alors, ici on peut voir déjà dans ces cartes-là, son message est important parce que il nous dit qu'il a bien, bien besoin de prendre la parole. Il a envie de vous parler. C'est comme s'il n'avait pas pu le faire pendant longtemps. C'est comme s'il avait de la peine à le faire aussi en face de vous. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de parler. Et je sens avec la carte de la tranquillité qu'il se sent bien ou soulagé, ou il va être soulagé de pouvoir parler, de prendre la parole, de vous dire ce qu'il a à vous dire. Il va se sentir soulagé ou il est bien dans sa peau, il est en paix et il se sent plus zen que d'habitude. C'est comme si c'est un poids qu'il avait besoin de partager, et c'est pour ça il vous transmet que ce message vient peut-être tard ou n'est pas venu plus tôt parce qu'il ne se sentait pas prêt, mais que maintenant il est prêt à parler, il est prêt à partager avec vous, mais c'est vraiment maintenant. C'est comme s'il avait quelque chose sur le cœur qu'il avait envie de partager et que ça ne pouvait pas sortir avant, et que voilà, ça a du retard, mais ça va se faire, ça se fait maintenant. Donc, c'est pour vous donner des nouvelles qui sont positives. Il a pas pu s'exprimer pour plusieurs raisons. Je vous ai dit, il ne se sentait pas prêt, ou il avait peur, ou il sentait pas le moment de le faire, mais il a besoin de le faire pour retrouver sa zénitude, pour retrouver une paix intérieure, et ça a besoin de sortir de lui pour vous transmettre ces choses-là et pour être lui-même en paix avec son âme et son corps et son esprit. Il dit aussi que c'est une chose qui lui arrive, c'est qu'il a fait une évolution personnelle, qu'il a grandi personnellement, qu'il a comme fait un examen de passage, qu'il a réussi à traverser des épreuves, qu'il a traversé des difficultés, et qu'il est une pleine évolution, comme s'il y avait une prise de conscience, qu'il se sent
a évolué. Je vais regarder avec l'oracle ici les coups de cœur. Quel est le message de votre autre actuellement? Quel est le message de votre autre actuellement? Je vais essayer de voir un tirage avec plusieurs oracles et tarots. Mais c'est aussi peut-être parce qu'il a pris tellement de temps pour être zen et détendu. Sa parole ou ses messages viennent seulement maintenant. Il a envie de, il avait besoin de prendre du recul et de, du temps pour lui. Il avait besoin de faire un break pour pouvoir parler. Parce que précédemment, il aurait pu peut-être se sentir trop tendu, trop nerveux pour pouvoir le faire de manière diplomatique ou douce. Donc, il a attendu, il a fait en sorte d'être calme, de faire, comment expliquer ça? D'être calme, de faire du zen, de faire de la méditation, de faire du yoga, pour parler, pour que ça sorte, comme je vous l'ai dit. Et donc, les messages viennent plus, tardivement que d'habitude. Mais ça n'empêche absolument pas que s'est passé, ce temps qu'il a passé avec lui-même lui a permis d'évoluer vraiment positivement. Et c'est comme un examen de passage. Il a travaillé sur lui et il vous transmet que cet examen de passage, il a réussi à passer à travers certaines difficultés. Il a réussi à dépasser des problèmes. Donc il avait besoin de ce break pour lui personnellement, seulement pour lui, parce qu'il y avait beaucoup d'instabilité dans son cœur. Ouais, il y avait de l'instabilité, il n'était pas très clair avec lui-même, hein. Des hauts, des bas. Il sent comme s'il avait vécu une trahison, peut-être par rapport à vous. Il a peut-être voulu vous transmettre qu'il vit une trahison, ou que lui vous trahit par le fait qu'il est dans cette distance, qu'il ne peut pas être plus près, qu'il ne peut pas vous parler. Et même si ça a pris du temps, il dit que c'était passager. Il désire ce nouveau départ. Après cette instabilité, il a retrouvé la paix vraiment, hein. Il a retrouvé la paix, le calme. Il désire un nouveau départ. Il y a eu des difficultés pour lui qui sont justement la trahison. Quel est le message de votre autre maintenant? Je vais regarder encore d'autres messages pour faire un lien entre les cartes. Quel est le message de votre autre? Il y a cette situation de j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin de prendre ce temps pour travailler, méditer quelque chose qui est nouveau pour moi, avoir une évolution spirituelle. C'est pour moi fait, je le sens. J'ai comme passé un examen personnel d'évolution, hein, par rapport à des compréhensions. Et ce break permet de faire un renouveau suite à de l'instabilité dans mon cœur. Je sais que ça va passer et ça concerne une trahison. Ça concerne une trahison. Alors, est-ce que j'ai des cartes qui vont tomber? Tirage, si la triade, elle ne veut pas tomber. Alors, il dit qu'il l'a fait pénitence. Il a fait pénitence parce que il a pris sur lui ce problème, il a pris sur lui des difficultés parce qu'il se sentait pas à la hauteur, il se sentait pas au même stade d'évolution que vous. Ça a duré pour lui comme une éternité. Faire pénitence, c'est vraiment se faire pardonner, comprendre, assumer ses actes et puis prendre la distance par rapport à des situations, prendre des distances par rapport à ses problèmes.
et terminer avec ça. Vraiment mettre une fin à ses problèmes. On le voit, il est là, il est en fin de cycle, mais il y a une évolution très personnelle qui se fait. Il a pris cette distance vraiment pour sa santé, hein, pour sa santé, même s'il y a du retard, c'est pour se faire du bien et d'aller jusqu'au bout du processus, d'aller jusqu'au bout du processus de changement, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a le temps, il a besoin de retrouver un équilibre pour un nouveau départ et surtout qu'il est là en disant qu'il assume la situation qui concerne une trahison. Il a vécu une trahison de votre part, peut-être, ou lui a eu par rapport à vous une trahison, vous a trahi d'une quelconque manière. Ça peut être par rapport à la vie de famille, par rapport à une autre personne, par rapport à des promesses ou un engagement. Mais il a compris. Il a compris que voilà. En faisant pénitence, en faisant une prise de conscience, en méditant, en retrouvant sa zénitude, en puisant dans les difficultés comme le lotus, en fait, quelque part, il a pu évoluer, il a pu se développer, il a pu revenir et grandir comme une belle fleur, parce qu'il désire un nouveau départ après cette trahison. Qu'elle avait besoin de ce break. On dirait presque que c'est comme une histoire de relation où ça c'est, vous avez fait un break dans une histoire. Pas forcément, j'ai dit au départ que ça pouvait être une histoire où il y avait une séparation, hein, ou bien une distance. Ça peut être plusieurs choses, mais là je vois aussi que ça peut être peut-être une rupture momentanée. Un break momentané parce qu'il y a eu une trahison, comme s'il vous avait trahi et qu'il devait prendre ce temps, prendre un temps de recul, vraiment, de terminer quelque chose avec une situation, de prendre la distance avec une situation pour retrouver son équilibre, pour retrouver sa masculinité envers vous, de retrouver cette énergie d'homme. Et il porte le poids de ce qu'il a fait, qui a affecté autant, je pense, vous. Il dit que ça l'a affecté, en tout cas lui, hein, qu'il a eu trop d'instabilité dans son cœur, des palpitations, que ça lui a pas fait du bien. Mais que grâce à ce break, cette tranquillité, il veut dire que là, il a besoin de prendre la parole, effectivement, mais que ça a pris du retard. Et que maintenant il a évolué et que vous le verrez. Vous verrez cette évolution chez lui. Donc il espère vraiment que vous puissiez lui donner une chance. C'est en tout cas où il en est, hein. Où il en est. Il a fait ce travail sur lui-même. Je vais encore utiliser un oracle pour voir quel message on a d'autre. Mais il y a bien une prise de distance, une fin d'une situation, une fin sur des nuages. C'était pas si grave, mais pour lui, c'est important de le faire. C'est aussi montrer qu'il travaille sur lui-même, qu'il n'est pas, comment dire, sans âme, qu'il n'est pas sans sentiment, au contraire. Mais que ça boue au fond de lui, vraiment, hein. Quel est le message de votre autre en ce moment? Quel est le message de votre autre en ce moment? Alors, juste, je dois ouvrir mon chat. Alors, on va voir si j'ai d'autres messages de votre autre. Quel est le message en ce moment pour votre autre? Oui, il avait besoin que ça sorte, comme je l'ai dit au début, qu'il l'a évoluer, qui veut que vous sachiez qu'il a évolué, qui veut que vous sachiez qu'il a passé ses étapes pour grandir, que ce break était nécessaire pour continuer, pour reprendre, pour recommencer. Son cœur a été malmené.
Et la trahison qu'il a faite est pour lui un déclic. Et il demande pénitence, il fait pénitence par rapport à ça vraiment. Il demande pardon, besoin de retrouver son équilibre et de terminer avec ce problème. Il le voit comme un problème personnel, trahison. Problème et surtout examen, c'est-à-dire c'est j'ai testé, j'ai été peut-être voir si j'étais capable de ne pas trahir. Je me suis testée et j'ai vu que j'étais capable de résister. Oui, c'est exactement ça. Je mets la votre autre vous dit qu'il met fin à des secrets, des choses qu'il a gardées au fond de lui. Il a besoin de les sortir, ce que je vous disais avant, qui concerne une trahison. Et il a dû puiser vraiment au fond de lui-même. Et un apprentissage, besoin de parler de manière plus spirituelle, plus profonde. D'être plus juste avec vous parce que effectivement il avait des secrets, il avait des choses qu'il gardait qui sont le mensonge ou des choses qu'il partageait pas avec vous, d'où cette trahison qui lui fait se sentir mal. Et donc puiser au fond de lui-même, il a fait un travail là-dessus, il a écouté ici les messages de sagesse, il a envie de vous faire partager cette situation, pas seulement discuter des discussions profondes, en ayant cette discussion profonde sur ce travail où il dit qu'il a coupé avec le mauvais, il a coupé avec ce qui n'allait plus et il y a mis fin, hein. Il a vraiment mis fin à une situation qu'il ne désirait plus vivre et ne plus vous faire vivre. Vraiment une prise de distance, terminer avec cette situation, couper avec ce négatif, une fin vraiment qui est présente là, une fin d'un comportement, c'est pas une fin par rapport à vous hein, du tout, mais c'est positif parce que là ici le masculin il fait un travail, c'est ce qu'il veut vous transmettre. Et pour moi c'est un beau message d'amour, c'est un message d'amour parce que il fait ça pour vous parce qu'il a trahi, il s'est puni lui-même et il veut en terminer avec ça. Si c'était quelqu'un qui avait trahi souvent plusieurs fois, plusieurs personnes, où il a été secret, où il a caché des choses, où il a menti, hein, il ne s'est pas ouvert à vous, alors que maintenant il veut s'ouvrir à vous justement comme dans un livre, hein, il veut être un livre ouvert et il vous partage qu'il a sur le cœur. Il veut ce renouveau grâce à son travail de zénitude et sur cette stabilité parce qu'il a puisé au fond de lui les ressources dont il avait besoin. Ça a pris un peu de temps ou en tout cas il avait besoin de temps pour pouvoir puiser au fond de lui pour parler. Cette instabilité qu'il a perturbé vraiment. Il veut prendre la distance mais il a des messages qu'il a reçus ou qu'il a qui lui ont permis de voir au fond de lui et de manière plus, voilà, plus profonde, qu'il désire couper, terminer avec ces nuages qui sont passés sur votre histoire pour évoluer. Et on dit qu'il fait un deuil sur la trahison qui est un acte et il a gagné pour lui par rapport, il a gagné, ouais. Dans le sens que c'est une évolution personnelle, un examen de passage personnel qu'il avait besoin de se tester, de voir comment il aurait pu et comment il peut évoluer personnellement. Voilà le message que votre autre a par rapport à cette journée. Voilà mes chers amis, le tirage est terminé. Je pense qu'il va parler à certaines. Merci de me mettre en commentaire ce que ça résonne ou vibre en vous. Merci de vous abonner et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.